vous vous sentez bouleversé par la nostalgie du temps passé, branchez-vous Junior Mengual, le spécialiste des événements heureux, pour vous faire revivre les plus beaux moments de votre vie passée. Salut tout super branché Radio Concorde 106.3 109.2 et chaque jeudi samedi nous là pour nous faire revivre bon j'ai moment souvenir d'autrefois émission pour la rétrospective qui passe dans Radio Concorde et qui faut vivre et revivre bon j'ai moment souvenir d'autrefois et comme nous te promettons et jeudi nous pour parler de un gros garçon. Et nous voulons parler de Choubou qui fait expérience. Nous sommes avec Tabou Combo, mais avec plusieurs autres formations musicales que le dépassé avant Tabou Combo. Pas oublier, non, moi c'est Junior Mengual ou sur Radio Concorde. Nous là pour nous faire vivre et bon j'ai un moment souvenir. C'est une émission rétrospective chaque jeudi, samedi qui passe dans Radio Concorde 106.3, 102.9 FM et www.radioconcorde.com. Ou à chiter des émissions tout le monde jeune. N'évitons de brancher, nous avons une petite pause musicale. Nous avons retourné pour nous parler un peu de Choubou. Appétissant.
Bien, nous allons démarrer avec histoire là et n'a dit bon noni spécial Joubou naturellement. Bon nom monsieur c'est Roger Monfort. Monfort c'est M non Eugène. Eugène c'est nos familles, c'est nos papa li. Monsieur il est Roger Monfort Eugène et monsieur né de madame Victoire Cadet et de monsieur et Pechina Eugène. Né à Port-de-Paix le 15 juillet 1947. Et Choubou grandit dans la ville de Lakaïli et monsieur était fait études primaires et chez les frères de l'institution chrétienne de Port-de-Paix. C'était dans le même établissement ça et que Choubou, monsieur était prend premier note musicale. Alors, on a continué toujours un peu d'histoire de grand chanteur ça Roger M. Eugène côté n'a parlé un peu de monsieur et en 1957 Choubou 10 ans il était gain temps dans chorale côté il était passé 5 ans et a chanté soprano dans institution chrétienne là côté que monsieur était c'est là monsieur était dans chorale et institution ça et il était toujours à animer il était toujours en remé chanter avec groupe chorale là qui était très discipliné époque là et lui-même ensemble avec con disciple de classe Lio et nous voulons parler de et Cubano et d'autres comme nous parle plus devant bao non seulement amis d'enfance li que levé puis amis et con disciple de classe Lio pas oublier non moi c'est Junior Mengual n'a parlé un peu de Roger M. Eugène Dichoubou qui c'est Roger Monfort et jeune qui né 15 juillet 1947. Il était branché. Oui, dans la vie, faut qu'on en batte trop pressé. Intelligence va servir un homme tout le temps. L'autre pressé, tout à fait ou pas, c'est mal. L'autre étant tout à fait ou aller bien. Qu'on en bat trop pressé. Intelligence pas servi un homme pourtant. L'autre pressé, tout à fait ou pas, c'est mal. L'autre étant tout à fait ou aller bien. En 60 Choubou, monsieur était 13 ans
Côté, je t'ai fait études secondaires au petit séminaire Collège Notre-Dame et de Lourdes du Port-de-Paix. Côté l'été dans chorale Collège Notre-Dame, non, je t'ai très intelligent, faut me dire ça. Bien intelligent. Et comme chanteur pour et soprano et ténor, côté, je t'ai passé 7 ans, eh bien, je t'ai dans et collège ça. En 1963, choubou 16 ans. À partir de là, je commencé initial dans compas direct. Et Fando l'été gagné et à peine et 8 ans depuis que compas de Nemo Jean-Baptiste été créé. Eh bien, l'été très différent pour choubou. Dans moment monsieur était venu entrer dans compas direct là puisque rappelez-nous monsieur était depuis dans Kaifrea, monsieur commencé dans chorale, monsieur a chanté et soprano, monsieur vient encore dans et séminaire là, monsieur a chanté soprano, ténor, dit qu'on s'est font mariage et monsieur passé 7 ans et tout de suite à 16 ans monsieur entré en dans compas direct là comme nous connaissons compas créé après 8 ans monsieur a commencé démarrer et Fondou c'est qui était très différent pour choubou et mais à cause de expérience li il était fait dans chorale là choubou était adopté très bien et bien rapide avec compas qui était créé par Nemo Jean-Baptiste. On parlait de choubou jodi a c'est anniversaire li et li spécial dans Radio Concorde avec Junior Megual. Restez branché, n'a tourné un petit moment. Baissez-bas, Patricia, baissez-bas.
Radio Concorde 106.3 102.9 FM ou à suivre émission pour là tout le monde joigne souvenir des beaux jours. Eh bien et c'est ça nous pral et parler un peu de et gros garçon ça qui c'est Roger Eugène Dichoubou. En 1964 et bien époque là Choubou t'ai gagné que 17 ans
et après il était fini terminé études secondaires li et Choubout t'est rencontré avec deux bons amis et amis d'enfance naturellement qui étaient sous même quartier ensemble avec monsieur et nous voulons parler ou de Jean L Théagène et puis Edouard Ferrier et monsieur Sayo qui était maestro un petit groupe fond de époque là t'es gagné des jeunes écoliers qui étaient qu'on a formé et groupe et ça était venu tout de suite après qu'on pas fini créer et bien c'est à partir de là tout génération des mini jazz vient prendre naissance c'est avec jeunes Sayo qui et naturellement qui fait et qui fait génération ça grandit et bien et fondou époque là Choubou et 17 ans monsieur Gétan est rencontré avec monsieur yo mais maestro Edouard et Ferrier qui t'ai gagné petit groupe là il était relé Tremono et c'était là tout Choubou t'ai commencé et gratifier voali tout en se faisant accompagner par ses musiciens et à la harmonica côté que monsieur t'ai un musicien tout et qui t'ai qu'on chanter mais fondo c'était choral même si on commence à entrer dans compas c'est là monsieur t'ai commencé et bientôt avec expérience musicale li dans un petit passage éphémère que il t'ai fait ensemble avec et Jean L Théagène et Edouard Ferrier qui était maestro petit groupe ça qui relait très beau lot côté et bien et Roger me jeune Dichoubou t'es passé rete branché Conquérir en majorité, c'est ça que nous brillons jusqu'en 70.